Noël de conte de fées pour ce petit orphelin du Bangladesh, arrivé il y a un an avec 72 autres enfants. Il vit aujourd'hui près de Marseille, il parle français, travaille bien à l'école et n'a plus peur de la mer. Noël d'espoir pour la famille de Jacqueline Valande, partie pour Beyrouth en espérant sa libération ainsi que celle de ses trois enfants retenus en otage au Liban depuis plus d'un an maintenant. Noël des records à Annecy, une crèche grandeur nature. À Saint-Hilaire-du-Harcouët en Normandie, une crèche vivante. Au Luxembourg, une grotte de Bethléem minuscule, 1,5 cm. Mais tous les personnages sont bien là. Madame, monsieur, bonsoir. Et si Noël avait cette vertu quasi miraculeuse d'obliger les hommes pendant quelques heures au moins à renoncer à la violence, à l'intolérance, pour faire place à l'espoir, malgré tout? Eh bien, ce soir, on peut y croire avec prudence mais résolument. Et d'abord avec cette famille française de Martigues, près de Marseille, qui l'année dernière, à la même époque, avait accueilli un petit orphelin venu avec 72 autres du Bangladesh, après bien des difficultés politiques. Un an après, eh bien, ce petit garçon qui vit à sa manière un conte de fées est heureux. Que dire de plus? Reportage de Patrice Velay et Luc Bachoffet. Le ravi. Le meunier, le berger. Il est tout seul, le berger? Non, il est avec les moutons, avec des moutons. Quelques mots de français, un sourire retrouvé dans une ambiance familiale, c'est le chemin parcouru en un an par Sweetie Bikash. Loin du pays natal, une nouvelle vie au soleil de Martigues, une vie de confort et de découverte, la mer par exemple. Non, non. Je porte les vagues qui vont noyer à moi. Et tu as peur de quoi d'autre aussi? Tu croyais qu'il y avait quoi dans la mer? Des crocodiles, des gros poissons. C'est fait des skis. Mm-hmm. On saute les bosses, quand on saute, ça fait mal à la tête. Chaque fois qu'il avait quelque chose à demander, il passait par des enfants. Bon, puis petit à petit, ça s'est réglé. Lorsqu'il a acquis la langue française et puis lorsqu'il a eu plus d'assurance avec nous, il est venu s'adresser directement à nous. Mais bon, on a été 6. Tout de suite, on n'a jamais été 5 plus 1. Intégration grâce à l'école aussi. Deux jours après son arrivée, Sweetie découvrait la cour de récréation et le tableau noir. En 3 ans, au lieu de 5, il va rattraper le niveau de 6e. Son point faible, la grammaire, on s'en doute. Son point fort, les maths. Il est toujours plus volontaire, il essayait, il donnait tout ce qu'il avait. Sa vie était le meilleur élève de la classe, hein, de toute façon, à part les problèmes de syntaxe. Bon, son seul problème, c'était la syntaxe. Petite ombre sur la belle aventure, une histoire de papier. Accueilli et non pas adopté par les adjoints, Sweetie, comme ses 71 copains, n'a que son passeport pour tout document officiel. Tous attendent une double nationalité, bangladéchi et française. C'est-à-dire pour nous une grosse sécurité, à savoir que lorsqu'ils auront 18 ans et qu'ils auront... Ils choisiront eux-mêmes leur vie, c'est-à-dire en particulier s'ils veulent retourner au Bangladesh, qu'ils puissent y retourner avec l'assurance de pouvoir en revenir avec un passeport français. Cette assurance-là est certaine. Frères et sœurs réunis pour une leçon de calcul improvisée, autre image de Noël, loin des cadeaux et pourtant si proche du bonheur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... 17. Pourquoi ne pas y croire également? La famille de Jacqueline Valande, cet otage français retenu au Liban depuis plus d'un an maintenant avec ses trois enfants, eh bien la famille est arrivée ce soir à Beyrouth avec l'espoir peut-être d'une libération des enfants au moins. Pascal Deschamps, Christian Autain. Depuis près de 5 heures maintenant, ils sont à Beyrouth. Le beau-frère de Jacqueline Valande, sa mère et Pascal Betty, le père de Marie-Laure et Virginie. Dans leur bagage, quelques peluches, parce que c'est Noël, le deuxième que les fillettes et leur petite sœur, Liberty, née au Liban, passeront en captivité, parce que c'est Noël, le moment d'espérer. Je pars dans l'espoir que les otages soient libérés, notamment Marie-Laure et Virginie, mes deux petites filles. Voilà. Pourquoi disiez-vous angoissé? Une angoisse Par rapport à Beyrouth ou par rapport aux résultats que vous escomptez? Par rapport, j'ai peur d'être déçu encore une nouvelle fois.
Au début de l'année, en effet, Pascal Betty avait placé tous ses espoirs dans la mission privée de cet homme, Lucien Biterlin, qui pensait obtenir la libération des deux fillettes, en vain. Mais cette fois, on se montre confiant, même officiellement, sur le sort des otages. Jeudi, le Quai d'Orsay parlait même, pour la première fois, d'éléments favorables à une libération. À Beyrouth, les trois membres de la famille de Jacqueline Valente devraient rencontrer un porte-parole du groupe Abou Nidal, qui détient les otages. En attendant, ils dorment ce soir dans un hôtel du secteur musulman de la capitale libanaise. Espoir encore, ou plus exactement volonté de réapprendre à vivre coûte que coûte, quelles que soient les circonstances, en Arménie. Un prêtre qui avait l'habitude chaque année de célébrer Noël à Spitak, une des villes martyrs, est quand même venu, même si sur place, eh bien, il n'y a plus de sapin. Delphine de la Selle. Chaque année, le père Stepanos traverse l'Arménie pour apporter de Yerevan un arbre de Noël à la ville de Spitak. Cette ville dont on a tant parlé depuis le tremblement de terre, cette ville détruite, puis rasée. Cette année, il n'y a pas de fête et le père Stepanos ne peut offrir qu'une branche de sapin et ses larmes. Mais dans la cour de l'ancienne école, des enfants jouent. Alors ensemble, ils vont faire un arbre de Noël. La branche de sapin servira de parure, les lambeaux d'aluminium d'étoiles d'argent. Ceux qui ont faim vont donner une mandarine ou un bonbon. Aujourd'hui, leur priorité c'est Noël, ultime et merveilleuse victoire de la vie sur le doute et le désespoir. Nous avons fait de cet arbre de Noël le flambeau de notre espoir. Parce qu'après l'obscurité vient la lumière. Nous pensons que notre peuple pourra surmonter cette nouvelle calamité. Et puis, joyeux Noël à vous. Merry Christmas to you. En France aussi, et dans un tout autre domaine, les bonnes nouvelles sont au rendez-vous de Noël, puisque les sociétés françaises Alstom et allemandes Siemens ont remporté ensemble, après avoir été concurrentes, le marché du TGV, le train à grande vitesse espagnol. Un marché potentiel de 25 milliards de francs et surtout, c'est peut-être même le plus important, la première victoire à l'exportation pour le TGV français. Jean-Pierre Métivet. Ironie de ce contrat espagnol, le constructeur du TGV, le français Alstom, se retrouve à part égale avec son pire ennemi, l'allemand Siemens, celui-là même qui avait raflé le contrat du métro de Shanghai. Je ne suis pas déçu parce qu'on n'est jamais déçu quand on a une aussi bonne nouvelle. Il est certain que nous sommes battus pour avoir le tout, mais il faut rester beaux joueurs. Ce panachage franco-allemand, une décision éminemment politique des Espagnols, est tout de même une chance énorme pour les Français. Regardez, dans cette usine de Madrid que Alstom va devoir racheter pour y construire son TGV, on fabrique en ce moment même un métro pour la ville de Medellín, en Colombie. Du coup, le TGV français ne pénètre pas seulement en Espagne. On pourra exporter en Amérique du Sud, au Brésil et en Argentine, partout où on parle espagnol, l'influence espagnole. D'autre part, et cela on n'a pas assez dit, le même jour, Alstom s'est associé au grand groupe britannique CGC, General Electric. Et finalement, Alstom va pouvoir ainsi, avec les Anglais, conquérir les grands espaces, l'Australie, l'Inde, Malaisie, etc., la Corée. Bref, Alstom va être au cœur de la stratégie mondiale. Mais attention, les grands contrats à l'étranger aujourd'hui, c'est un zeste de technique, beaucoup de politique et des bons crédits pour les acheteurs. Et de plus en plus, il faudra s'habituer à partager avec les concurrents. Alors, pas de fausse modestie. Le TGV, le voici, c'est une réussite presque parfaite, une ligne presque idéale. Pratiquement sur tous les points, une technique des plus sophistiquées, un confort sans égal, sans oublier que TGV signifie avant tout train à grande vitesse. Thierry Calmette. De plus en plus rapide, 380 km/h, TGV, le train des records. Son nom espagnol désormais, Tren de Alta Velocidad, TAV. 24 TGV pour l'Espagne, 25 milliards de francs, meilleur rapport consommation-prix, et ces rames transportent plus de voyageurs que ses concurrents.
Les trains espagnols ressembleront à celui-ci, le TGV Atlantique, le dernier né. Confort et automatisation accrue. Premier voyage, Madrid-Séville, 500 km en 1992. 358 trains à grande vitesse circulent en Europe, dont 311 construits par la France. En attendant la conquête de l'Amérique du Sud, ou plus certainement celle de l'Angleterre grâce au tunnel sous la Manche. De bonnes fêtes en perspective pour les employés d'Alstom qui construisent la fermeture éclair de l'Europe. Brisons un peu le rêve, malheureusement il y a aussi une autre actualité. Le groupe sidérurgique Usinor Sassilor, qui est redevenu bénéficiaire cette année de 4 milliards de francs, va devoir supprimer des emplois, 5 000 au total sous diverses formes en 1989. La CGT et la CFDT déclarent qu'elles n'acceptent pas ce plan. La catastrophe aérienne du Boeing 747 de la Paname, l'écoute des fameuses boîtes noires qui enregistrent normalement toutes les données du vol, n'a malheureusement rien révélé d'intéressant quant à la nature de l'accident ou de l'attentat, car les deux hypothèses restent envisageables, même si celle de l'attentat reste privilégiée. Sur place, notre envoyé spécial Philippe Arroy. À Lockerbie, Noël ne sera pas tout à fait Noël, tel que les 2000 habitants l'avaient imaginé. Leur vie a été trop bouleversée et pourtant il faut faire face. La population de la petite ville a doublé avec les équipes de recherche, les militaires, les travailleurs sociaux, les journalistes. Et puis les familles des victimes américaines, dont certaines ont tenu à passer ce Noël non loin de leurs proches, disparus. Tout a été fait pour qu'ils puissent loger dignement à Lockerbie ou dans les environs. Leur peine est partagée, les prêtres réconfortent partout où cela est nécessaire. Les corps de tous les passagers n'ont pas été retrouvés. Les 600 personnes chargées de leur recherche vont poursuivre leur pénible tâche demain et les jours suivants. Plusieurs cadavres sont encore manquants. D'autres équipes s'activent à collecter les débris qui seront analysés par les experts. Eux seuls permettront de dire s'il y a eu sabotage, puisque la boîte noire de l'avion n'a rien révélé d'anormal, sauf un léger bruit. La zone de recherche est étendue. Certaines pièces du Boeing ont été retrouvées à 50 km de Lockerbie. Dans la petite ville écossaise, on pleure 17 morts, habitant tous la même rue, Sherwood Crescent, qui a été rasée par une aile du Boeing pleine de kérosène en feu. Ella Ramsden habitait ici, au numéro 17, quand sa maison s'est écroulée sous elle. On la croyait morte. Par une chance extraordinaire, elle a survécu. « J'étais dans ma cuisine, raconte-t-elle, et soudain j'ai cru que c'était la fin du monde. Il n'y avait plus de toit. Je pouvais voir le ciel. J'ai cassé une vitre et j'ai pu sortir. » Il y avait un silence extraordinaire, plus personne. Ella Ramsden, son chien et son perroquet vivent ce soir à Lockerbie le miracle de Noël. Oui, entre le rêve de trêve de Noël et la réalité, il y a aussi la situation en Israël. Aujourd'hui, des incidents ont eu lieu dans les territoires occupés, manifestations sporadiques de Palestiniens suivies d'interventions de la police et de l'armée. 12 Palestiniens au total ont été blessés par balles. Et cette année, pour le deuxième Noël consécutif, eh bien Bethléem ne connaîtra pas cet instant de trêve. La ville est bouclée par de très importantes forces de l'ordre. Les touristes sont rares. Dans les rues, les commerces sont fermés. Un Noël de tristesse pour de nombreux Palestiniens de religion chrétienne. Charles Anderlin. L'année dernière, Bethléem était décorée. Des sapins de Noël, des guirlandes, en dépit du soulèvement palestinien qui en était à ses débuts. Nikolai, un riche commerçant, espérait que l'agitation n'alourdirait pas trop l'atmosphère de la fête. Ifram, un petit marchand de souvenirs, était attristé par la répression. Cette année, nous ne fêtons pas Noël. Des centaines de Palestiniens ont été tués, des milliers sont en prison. Nous ne pouvons pas ressentir la joie dans nos cœurs. Et puis, il y a trop de soldats. Je n'ai pas envie de passer tous ces barrages militaires pour aller à la messe. Nikolai n'a pas décoré son magasin. Pas de prime de Noël pour ses 30 employés, il leur doit 4 mois de salaire. Les maigres rentrées d'argent de la semaine sont équitablement partagées. Les touristes ne sont venus qu'en petit nombre à Bethléem transformé en camp retranché. Les autorités israéliennes voudraient donner l'image d'un Noël sinon normal, du moins calme. Mais la population est fermement décidée à suivre les appels du comité clandestin du soulèvement. Seules quelques cérémonies religieuses ont été maintenues. Nous allons continuer le soulèvement jusqu'à ce que nous obtenions ce que nous voulons, un État comme la France, comme Israël. Je crains une nouvelle guerre entre les Israéliens et le monde arabe. L'avenir me paraît sombre.
Bien entendu, pas de cadeaux, pas d'arbre de Noël pour notre famille. L'atmosphère est à la tristesse. Trop de jeunes Palestiniens ont été tués. Nicolas y habite un appartement spacieux dans la rue principale. Ifram, qui est célibataire, partage avec sa famille, 7 personnes en tout, 3 pièces à Maslach, un quartier pauvre. Le Père Noël ne vient pas cette année, mais si tout va bien, si nous avons la Palestine, je veux une bicyclette. Le rêve d'Ifram, c'est un accord politique, la paix, des touristes, gagner assez d'argent afin de se marier. L'avenir est plus prometteur pour Nikolaï. Puisque le tourisme ne marche pas, il se tourne vers l'exportation de souvenirs. Ces 2 entreprises de verre et de poterie devraient vendre aux États-Unis et en Europe dès l'année prochaine. Lui aussi voudrait une coexistence, voire une coopération économique entre un État palestinien et Israël. Dernière nouvelle de l'étranger, à quelques semaines du retrait du dernier soldat de l'armée rouge d'Afghanistan, eh bien Moscou, craignant un effondrement du régime pro-communiste de Kaboul face à la résistance islamique, cherche une solution politique. C'est pour cette raison que le vice-ministre des Affaires étrangères du RSS, M. Vorontsov, également ambassadeur à Kaboul, a fait aujourd'hui le voyage de Rome pour y rencontrer l'ancien roi d'Afghanistan qui vit en exil en Italie depuis son renversement en 1973. Rencontre très discrète puisque sur ces images, nous n'avons vu que la réunion avec le ministre des Affaires étrangères italien, M. Giulio Andreotti. Retour en France. Cette semaine de Noël dans notre pays, c'est la semaine de la bonté, marquée notamment par la distribution de jouets pour les enfants hospitalisés. Cette action, ajoutée à d'autres plus médiatiques comme le Téléthon sur Antenne 2, pour n'en citer qu'une, nous ont amené à nous poser la question simple mais vraie que vous êtes sans doute posée vous-même un jour ou l'autre. Pourquoi autant d'initiatives privées sont-elles nécessaires alors que nous sommes un certain nombre de millions dans ce pays à payer des impôts? Voyons donc d'abord comment l'État répartit ses revenus. Véronique Auger. C'est Noël, l'État a presque fini d'engranger ses recettes. Les citoyens lui ont versé 233 milliards de francs cette année au titre de leur impôt sur le revenu. Mais seul un ménage sur deux a dû porter la main à la poche, les autres ont été exonérés. Tous, en revanche, ont rempli la cagnotte par l'intermédiaire de la TVA qu'ils paient involontairement en consommant. En tout, près de 550 milliards de francs. Dernière grosse recette, l'impôt sur les sociétés, 135 milliards. L'État a donc pu collecter 1233 milliards de francs, un cinquième de la richesse nationale. Pourquoi faire ? Sur 100 francs, l'État dépense 28,50 francs pour financer la vie de l'administration, 22,60 francs pour payer l'éducation et la culture. La solidarité n'arrive qu'en numéro 3 avec 22,40 francs pour assurer la prévention sanitaire, aider les familles à se loger, à se former, ou bien pour garantir un minimum de ressources aux plus défavorisés. Enfin, 15,90 francs vont à la défense et 10,60 francs à l'action économique en faveur des entreprises. Et malgré ces milliards, donc, on enregistre une aggravation du nombre des nouveaux pauvres, entre guillemets, des sans-domicile fixe, l'augmentation également du nombre de quêtes et d'actions de solidarité en tout genre. Alors, doit-on accepter l'idée que l'État n'a pas les moyens et ne peut donc pas tout faire? C'est la question que je vous pose, Véronique Auger. Ce qu'il faut dire d'abord, c'est que l'État, dans certains secteurs, reste pingre. Juste 2 exemples. La recherche scientifique a toujours été le parent pauvre. Les aides en faveur de la formation des chômeurs de longue durée ou des jeunes ne progressent que depuis très peu de temps. En fait, ce n'est pas que l'État ne peut pas tout faire. La vérité, c'est que l'État ne sait pas être souple. Entre le moment où l'administration prend conscience d'une situation qui s'aggrave, comme l'augmentation du nombre de chômeurs à la rue, ou comme le phénomène des myopathies ou celui du sida, entre la prise de conscience et la prise de décision, il se passe du temps. Ce temps est plus court aujourd'hui à cause de la médiatisation des souffrances. Il y a eu, vous l'avez dit, le Téléthon, il y a eu aussi les restaurants du cœur, mais cette période est toujours trop longue. Le revenu minimum d'insertion, par exemple, vient juste de faire son apparition alors que les restaurants du cœur ont déjà 3 ans. Il faut donc que les initiatives privées assurent la transition. Elles seules sont assez souples pour coller à la réalité. L'État doit obligatoirement ensuite prendre le relais lorsqu'il s'agit d'une cause nationale, car il est le seul à pouvoir dégager les fonds nécessaires. L'idéal, c'est sans doute un panachage intelligent entre la force publique et la force privée. D'ailleurs,
Probablement une solidarité tout état rendrait la société inhumaine. Quand vous versez 100 francs à un hôpital à travers vos impôts, vous ne ressentez plus rien. Mais les mêmes 100 francs donnés directement à la Croix-Rouge ou à une autre association, c'est tout autre chose. Merci Véronique. Et nous n'allons pas changer de sujet puisque notre invité ce soir est Monseigneur Lustiger, archevêque de Paris. Monseigneur Lustiger, bonsoir. Nous allons vous découvrir. Nous venons, Monseigneur, de parler solidarité. C'est vrai que les Français, ces derniers mois, ont été très sollicités et ont répondu d'ailleurs à ces sollicitations. Mais sans vouloir mettre en doute la générosité des uns et des autres, on peut tout de même se poser la question, donner de l'argent ou faire des dons matériels, est-ce suffisant? N'est-ce pas un peu, je dirais, facile, entre guillemets? Il faut le faire, parce que l'argent, c'est dur à gagner, l'argent, c'est nécessaire, mais on le garde plus facilement qu'on ne le donne. Et il me semble que pour être libre à l'égard de l'argent, c'est de s'en servir, et de s'en servir pas seulement pour soi, mais pour les autres. Et c'est la preuve d'une véritable ouverture de cœur, d'une véritable humanité. Donc je pense qu'il y a manière et manière. Si quelqu'un fait un chèque seulement pour se débarrasser des autres, bah c'est déjà ça. Mais s'il donne quelque chose de lui-même, c'est mieux encore. Et est-ce que l'autre partie de la solidarité, celle qui est moins visible, est-ce qu'elle existe vraiment? Les gens, les Français ou les Françaises qui se portent au secours des autres, est-ce que vous constatez qu'elle est en augmentation ou en diminution? Je pense qu'elle est en augmentation. Je crois qu'il y a dans notre pays, au fur et à mesure que le confort et le niveau de vie augmentent, il y a un sens, je dirais pas plus grand de l'humanité, mais on est plus vite choqué par la misère d'autrui. Alors j'espère que nous serons moins égoïstes, moins repliés sur nous-mêmes, et que beaucoup d'hommes et de femmes sont capables de faire attention à des gens, même inconnus, qui souffrent ou qui peinent. Monseigneur Lustiger, je voudrais qu'on revienne ensemble sur un point d'histoire tout court et d'histoire religieuse. À l'origine, la fête de Noël est une fête païenne. Je crois que c'est la fête du solstice de l'hiver, c'est-à-dire du jour à partir de lesquels les jours se rallongent jusqu'au 21 juin, solstice d'été. Pourquoi la chrétienté s'est-elle alignée sur cette date du 25 décembre pour fêter la naissance du Christ? Il y a une raison symbolique, c'est que le Christ est nommé, le Messie est nommé par l'Écriture « soleil levant ». Et la fête du soleil levant, la fête du soleil qui va ressurgir de l'hiver, était un bon moment pour placer la date de la naissance du Christ, que par ailleurs nous ne connaissons pas de façon précise par la tradition des Écritures. Mais d'autre part, il y avait à ce moment-là des fêtes païennes, ce qu'on appelait des Saturnales, des vraies débauches si vous préférez. Et dans une époque chrétienne, on s'est dit, bien, il faut transformer la fête, faire de cette fête une fête d'amour, de bonté, de pardon, et pas seulement des orgies, des débauches de toute espèce. C'est donc une manière de donner un sens positif à une liesse populaire païenne. Monseigneur Lustiger, dernière question. Je disais tout à l'heure en commençant ce journal qu'il y avait toujours un message d'espoir au moment de Noël. On a même l'impression parfois que l'actualité s'arrête un instant, observe une trêve de quelques heures, bien entendu. Vous avez vous-même, cet après-midi, visité un certain nombre d'hôpitaux, rencontré des malades en très mauvais état, même certains qui n'avaient plus de raison d'espérer en la vie. Avez-vous réussi à trouver un message d'espoir à leur portée? J'ai surtout été émerveillé par les hommes et les femmes que j'ai rencontrés. J'ai vu des hommes qui étaient admirablement soignés, soulagés de leur souffrance et qui faisait face à la maladie la plus grave. Et avec une sérénité, une espérance, une foi qui m'a bouleversé. Et je leur ai demandé à ces hommes et ces femmes de prier pour moi, et non seulement pour moi, mais pour tous ceux que je rencontrerai cette nuit, et en particulier peut-être pour les téléspectateurs. Mais pour moi, c'est un moment de grande joie de pouvoir espérer que chacun fera un geste pratique concret d'amitié à l'égard d'autrui parce qu'il découvre que lui aussi est aimé de Dieu. Et moi, cette nuit, je célébrerai dans cette magnifique cathédrale qui est derrière nous et j'y recevrai Monseigneur Vladimir, le délégué du patriarche de Moscou. C'est un signe d'unité et je lui ai promis, je vous l'annonce, c'est une première, que j'irai en réciproque assister à la célébration de la Pâque orthodoxe à Moscou le 29 et le 30 avril. J'espère qu'il y a là un signe d'espérance, j'espère qu'il y a un signe de communion dans la foi, de retrouvailles
et que ce qui se fait entre des peuples et des églises puisse se faire entre des hommes et des femmes qui s'ignorent ou qui parfois se méprisent. Qu'il y ait un peu de paix et d'amour. Faites quelque chose, je vous en prie. Merci, je vous invite, Mgr Lustiger, à rester avec nous quelques instants puisque nous allons visiter maintenant les deux plus belles crèches de France à Annecy. Ces architectes ont vu grand, grandeur nature très exactement. Et à Saint-Hilaire-du-Harcouët en Normandie, les santons sont bien vivants. Jean-Marc Bramy, François Grani. Les rois mages offrent l'or, l'encens et la myrrhe. Ils sont venus cette année jusqu'à Annecy fêter la nativité au beau milieu d'un village provençal. Des santons traditionnels pour animer cette immense crèche de 450 mètres carrés, minutieuse reconstitution de la vie méridionale à la fin du XVIIIe siècle. Maisons, mobilier, vaisselle, personnages, jusqu'aux tenues vestimentaires. Émile Oldrinet et Frédéric Juvin ont patiemment construit leur chef-d'œuvre, à l'instar des artisans d'autrefois, exigeant des centeniers l'expressivité et d'eux-mêmes l'authenticité des décors. Mise en scène des attitudes, des métiers, clin d'œil à l'imaginaire avec le moulin de Maître Cornille. Ou Panis, cher au cœur de Pagnol. Rien n'a été négligé pour donner vie à la matière inerte. Saint François d'Assise qui a amené la crèche en France en 1223 et il n'y avait que l'enfant Jésus, l'âne et le bœuf. Et ce n'est qu'au Moyen-Âge qu'on a ramené d'autres santons tels que la Sainte Vierge, Saint-Joseph et les rois mages. Les santons provençaux, eux, datent de la fin du XVIIIe siècle. Alors nous avons essayé, Frédéric Juvin et moi-même, de refaire vivre un petit peu tout ce qui avait disparu à nos jours, c'est-à-dire tous les vieux métiers, et faire comprendre un petit peu aux gens la vie paysanne, la vie rurale du XVIIIe siècle, puisque les santons sont habillés de cette époque. Bien loin de la Provence, à Saint-Hilaire en Normandie, toute une ville s'est mobilisée pour sa crèche vivante durant les fêtes de Noël. Agriculteurs, charpentiers, retraités, enfants, tous ensemble rejouent chaque jour, jusqu'à lundi, la naissance de Jésus. Le vin du vigneron, le bois du bûcheron, étaient les vivants symboles du futur sacrifice de la croix. Alain Souchon a même prêté sa voix à cette suite de tableaux chaleureux et naïfs qui renouent avec une tradition ancienne. Oui, puisque ce soir nous travaillons pour le livre des records, voici immédiatement la plus petite crèche du monde, sans doute, 1,5 cm de largeur. Elle tient sur un dé à coudre, très exactement, et tout y est, tous les personnages. C'est un luxembourgeois qui l'a fabriqué. Il y a même une petite musique en dessous qui marche quand on allume cette crèche. Le tiercé maintenant, il y avait des courses cet après-midi à Vincennes, vous allez voir les résultats s'inscrire sur votre écran. Pour gagner, il fallait jouer le 8, le 5 et le 12 et ça rapporte 3485 francs dans l'ordre, de quoi fêter joyeusement Noël. Et pour ce qui concerne le quartet, eh bien, vous ajoutez le 4 et là, il y a quoi vraiment passer un très très bon Noël avec 101 841 francs, pardon. Voilà. Tout de suite après ce journal, la météo avec José Blanc-Lapierre. Pas de dernier journal, ce soir en raison du show Henri Salvador qui va nous emmener tard dans la nuit. Demain également, en raison du programme spécial de Noël, eh bien, le journal aura lieu à 12h30 au lieu de 13h. C'est Philippe Gassot qui vous le présentera. Quant à nous, si vous voulez bien, on se retrouvera à 20h demain dimanche, 20h très précise. Joyeux Noël au nom de toute la rédaction d'Antenne 2 et de toute l'équipe du week-end. Et nous terminons avec de magnifiques images de Noël signées Bernie Merriot.